Au nom de mon père et de ma mère, je vous jure que je suis saint d'esprit. Mais ma vision se révèle dans mes manuscrits. Des cicatrices sur le corps et dans l'esprit. La vie spectatrice de nos efforts, souvent à quel prix. J'écris pour penser mes plaies sans penser aux clips. Les images dans ma tête me suffisent et me confient. Que le confort ne suffit jamais à personne. Quand le nord tire la couverture, c'est le sud qui frissonne. Le savoir est une arme qui peut se retourner contre toi. T'étonne pas si le monde surfait en bref de comptoir. L'alcool accompagne les déprimés anonymes. Une ardoise pleine et sur le comptoir une famille mobile, elle qui rêvait d'intégration de carrière, mais espérée la désintégration des barrières, se retrouve seule avec ses dettes et sa fille qu'elle essaye d'élever en lui dissimulant son mal de vivre. Et les problèmes nous tombent dessus comme la foudre, pris par surprise comme une avalanche de poudreuse. Si on était des paratonnerres, on enverrait ces nuages noirs sous terre avec un bras d'honneur. Et les problèmes nous tombent dessus comme la foudre, pris par surprise comme une avalanche de poudreuse. Si on était des paratonnerres, on enverrait ces nuages noirs sous terre avec un pas d'honneur. C'est vrai qu'envers l'État je suis provocateur, condamné à rester ici, éternel locataire. Mais j'ai vu trop de choses et ça me tue. Et c'est pas l'habitude qui va calmer mes inquiétudes. Encore un super menteur, des promesses supplémentaires, des suppressions d'emplois, puis des soucis alimentaires. Souffrance qu'on affronte, les offenses qu'on nous fait et qu'on enfonce tellement profond qu'on en finisse par toutes les refouler. Mais j'ai vu une caissière agressée pour quelques pièces, par un ado sous pédo pour se payer quelques bières, une étudiante prostituée pour payer sa caution et continuer pour le loyer car peu d'allocations. Des personnes âgées battues dans des maisons de repos qu'elles payent, où est le respect quand nos aïeux sont pris pour du bétail. Un SDF dormir sous le même pont chaque hiver, en attendant de voir quelqu'un réveiller le chat qui dort. Et les problèmes nous tombent dessus comme la foudre, pris par surprise comme une avalanche de poudreuse. Si on était des paratonnerres, on enverrait ces nuages noirs sous terre avec un bras d'honneur. Et les problèmes nous tombent dessus comme la foudre, pris par surprise comme une avalanche de poudreuse. Si on était des paratonnerres, on enverrait ces nuages noirs sous terre. Les nerfs à vif et la colère à fleur de peau, les possibilités d'être ravi pour une couleur de peau, une pensée métissée, collective non réticente, envers autrui car faire l'autruche est méprisant. Donner une chance aux consciences de pouvoir guérir, quand le cimetière ouvre ses griffes aux meilleurs d'entre nous. L'abbé Pierre qui nous quitte, c'est triste quand il pense, mais souviens-toi, Dieu a toujours détesté la concurrence. Et le malheur s'impose au monde comme une fatalité, quand l'utopie perd sa place dans nos mentalités. J'aurais pu fermer les yeux et j'y ai songé, mais je reste une éponge qui n'a plus de jour de congé. Quand j'entends les autres cogiter gentiment sur les nôtres en nous parlant de leurs sentiments. Tu veux connaître le fond de ma pensée, les Français sont plus importants que le plus important des Français. Et les problèmes, et les problèmes, et les problèmes nous tombent dessus comme la foudre, pris par surprise comme une avalanche de poudreuse. Si on était des paratonnerres, on enverrait ces nuages noirs sous terre avec un bras d'honneur. Et les problèmes nous tombent dessus comme la foudre, pris par surprise comme une avalanche de poudreuse. Si on était des paratonnerres, on enverrait verrait ces nuages noirs sous terre avec un bras d'honneur.